tôt ce matin, il est venu me chercher. Elle m'a souri, m'a lavé plus gentiment que d'habitude. Elle m'a habillée avec la nouvelle robe qu'elle m'a achetée. J'avoue que j'ai trouvé assez louche cette attitude. Où va-t-on? J'ai demandé d'un air innocent. On va rendre visite à une gentille tata, me dit maman. S'il te plaît, je peux prendre ma poupée avec moi? Oui, bien sûr, ma chérie, prends tout ce que tu veux avec toi. Aujourd'hui, mon amour, faudra me rendre fière. Je ne comprenais même pas le sens de cette phrase. J'étais loin de m'imaginer ce qu'on allait me faire. Mais j'allais bientôt ressentir tout le poids de cette phrase. Dans la voiture, elle fredonnait un joli air. Sûrement la même mélodie que lui chantait sa mère. Et que la mère de sa mère chantait à ma grand-mère. À mon oreille, pourtant, ça sonnait comme une prière. Et puis nous voilà enfin chez la tata. L'endroit fait peur, fait froid dans le dos. Maman me rassure, me serre dans ses bras. T'inquiète pas ma chérie, tu sais que je suis là. Avant moi, combien de fillettes de 4 ans ont entendu ces doux mensonges si rassurants? Sois courageuse, sois forte mon enfant. Avant de m'endormir chaque soir, ce sont les derniers mots que j'entends. Caraba la sorcière, prisonnière empêtrée dans une souricière. Elle avait des instruments effrayants, des outils de torture, des lames, des couteaux, des scalpels, prêtes à me faire subir la pire des morsures. Maman, où es-tu? J'ai peur, pourquoi tu ne fais rien? Ne la laisse pas s'approcher de moi. Je crie, je me débats en vain. Pourquoi veut-elle retirer mes vêtements? Elle veut baisser mon slip maintenant. Me maintenant d'une main ferme, déterminée à perpétuer la tradition. Ni mes cris, ni mes supplications n'arrêteront mon supplice. Et ma mère qui garde toujours ce silence complice. Je la cherche du regard dans la pièce, les yeux brouillés par les larmes. Et soudain, je ressens une douleur causée par la morsure d'une lame. Elle part de mon entrejambe et déchire toute mon âme. Dans ma vie actuelle de femme, j'ai l'impression que les hommes m'agressent avec peine. J'ai vu certaines femmes parler de plaisirs que je ne connaîtrai sans doute jamais et que je ne vivrai pas dans ma chair. Alors j'écris ces mots en espérant qu'un peu d'humanité sévisse dans les cœurs pour en finir avec ces animosités au nom de ma tradition. Jonga Jike, Lunyanga, Technical.